Monsieur Mamadou Siribe, où est-ce que c'est un ignon? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence, il y a douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Expo. Na matadi bayo kakombwa Louvounou, wana balu kamoto, wana bakangaye. Kokende gauche à droite, t'es adresse de Zika Moko. Ah ouais, j'ai na matadi. C'est vrai. Avenue Major Bangou. Okay. Numéro 6. Besting Business. Agence, il y a douane, il y a solo. Kende l'adresse, tout n'a pas na matadi, n'y a surtout baye bien. Bangou numéro 6. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jonker. Oiza, agence en douane, Blessing Business. Nous avons un point de vue de douanement et import et export. Solution à l'Ebsa qui est les alliés Blessing Business. Ah, maintenant, les solutions sont venues. C'est quand tu es ici à la Wallet Village. Aïe, tu es à la Wallet Village. Aïe, monsieur Wendekou Nangana Bamako. Blessing Business, une solution. Vous êtes à Dubaï, vous êtes à Canada, États-Unis, Europe, partout. Agence à dédouanement et amour, Blessing Business. Vous avez la possibilité de dédouaner Biloko, Yaka, vous avez un point à quoi débino. Rapidité, sincérité, ce que vous avez livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous avez la matade, une avenue, Major Vang, numéro 6, commune Anzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro, on a vu ces alliés, 089 98 33 087. Blessing Business! Agence ya douane ya sûr. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Sali la misolo na yo na tango nyo solingi. Na Sara Banking, ezande bank na chumbo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyo so ata ufandi na ndako. Consulte solde na yo. Lande la ba crédit na yo, salaba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tout na motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na saramani, biso nyonso to koti masolo ya bank na tchombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komise libiso li benga na ye na telephone. Ata oza na compte bancaire te, sale la mbongo na yo na telephone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya saramani, okoki ko tinda pe gozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko zombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application. Na yo Saraya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene pene sika ofandi po ba activer le yo Sara. Sara Bank na biso e longo na biso bi pay bins Afriland First Bank the pack. L'UBC, l'Université Belgo-Congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi. Numéro 11 à 13, à Kassavubu. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UPC, Sciences et Culture de l'Excellence. C'est lui qui va faire encore ça, il sera puni. Je suis puni. Attention, toke banaba crème sous. Tout ça est la crème économique et comeli. Et si la kapamba pambate, et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Cré et Comeli. Cré à Bana Yamboka. Bon enseignement Yamboka. Très bien. Ouf, on a bimi pembe au moins de Nanda ou au moins de Nanda. Mbote Nabino. Balandi Nyonso a bossé la politique officielle. Misa Elingala. Nabimi le roi Bifalo. Nazara moi à pembe quand même. Oui. Nous avons évolué. Mbote na bino bandeko bazana Luanda, bozana Bujumbura na Malawi, bozana France na Belgique na Allemagne na Toronto na Montréal, dans les différents coins de la capitale Kinshasa.
Bozo na nabiso pe à travers la radio Mont Bleu, bozo na Beni, na Bunia, bozo na nabiso, na Rutshuru, na Masisi, na Kanyabayong, tope si bino mbote, batu baza na Katanga, mbote na bino, batu bazo na nabiso pe na Isiru, na Buta, mbote na bino, même na Minembwe, place batu bazo na nabiso, tope si bino mbote. Alors na zongi déjà, bien que très fatigué, na zongi kaka lelo na 7h30, ndenge na komi awa. Je vous demande d'ailleurs de prier pour moi tout au long de cette émission. La fatigue, elle est là, mais que Dieu me donne quand même la force. Nazongi pour Namoussala, parce que si j'ai pour Namoussala, je ne serais pas venu. Mais pour le travail, j'ai arrêté tout ce que j'avais à faire. Bien que la fatigue, aussitôt arrivée, nous sommes là pour travailler. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Voyage et l'équipe là, moi, par incident, mon co, il y a TAC, et il y a Gingaï, Menzambe, Azui Contrôle, il y a Nyon, Somabe, Comité, Ngaï, Nazongi, Nabomo, équipe, Nanga Pesali, Malam, Nzambe, Azualokoum. Alors, ce matin, spécial dossier Minembwe. Quand je parle de Minembwe, je ne parle pas de Banyamulenge. Il y a une différence, il faut nuancer ça là, entre Banyamulenge et Minembwe. Dans ce cas, Minembwe, la commune, vous savez, avec cette histoire, il y a commune Lelo, il y a Ngonde et Kaboli Batu. Qui dit vrai? Est-ce que Roubé ou Azalea, ça zolo, ben solo? Tout le monde qui présente, c'est ambassade des États-Unis, est-ce que Kop Ango Zala qui Kop Yab Américain? Est-ce que le président de la République y est pour quelque chose? La ligne n'a bimisa biloko mso batubayo ki nanote. Biloko boyo ki nanote et qu'on choque même opinion, mais ça va vérité, il faut bimarak. Donc, lelo, tout sur le dossier Minembwe. Mais Minembwe, non pas en tant que commune au Banyamulenge et Bavandi, nous on ne parle pas de Banyamulenge. La ligne tout ça dans moi différence. Parce que Banyamulenge, la constitution a déjà résolu la question. Mais je veux à ce que tout ce qui a la plus na historique qui a commune, Toko ta on a bien mon boyeba, maïele nini ezali simalikambo ya komini ya Minembwe. Pona yango, naza koyamba pona bino pour la toute première fois de l'histoire ya bosolo na politique, les députés nationaux élus ya Goma na Butembo, pour na compte ya opposition et ensemble ya la Muka, mais ici ne parle pas pour le compte de l'ensemble, il parle en tant que député. Oui, que député sur Kazolo, surtout Kazan national, mais le problème est dans la Congo centrale, les autres concernés, parce qu'Azali est député national. Il s'agit bien de M. Mouindo Nzang, Yenda Azali, invité à la mission Natongo, honorable Mbote Nayo. Mbote, Mbote, Mbote Sango. Naibi Kyolinga, le Golobango, Péalo Kwangaïté. En tout cas. Mais Togobunda. Togobunda Kaka. Place Yogobunda Bundi Kaka. Est-ce que Kosolo, la politique, Nalingala, vous pensez que c'est une humiliation? Ezali considération, toi, Ezali valeur. Non, mais tout le dernier pays presque au monde où tout sur la politique n'a pas mis nos combats étrangers. Si vous arrivez à Tanzanie, anglais, il était colonisé par les Anglais, mais politique bas sur la Congo, na Swahili, puisque c'est leur langue locale. Ceux qui ont commis na Kenya na parlement politique bas sur la Congo na Swahili, na Rwanda na Kinyarwanda, Burundi na Kirundi. Na Uganda, na parlement, balobakaka na Kiganda. Bisoka na ndebo. L'amour du français fait que nous ne parlons que le français, mais c'est bien. Est-ce que vous avez une politique qui adopter pour isoler le peuple? Parce que le petit peuple souverain, où il a sa voix, où il a sa pouvoir na batou, tant que vous êtes français, j'ai toujours dit ça, tant que vous avez pouvoir, la plupart des politiques, vous la campagne, vous avez la campagne. Na Lingala, na Swahili, na Kikongo, na Chiluba. Mais ceux qui ont gagné le pouvoir, ils ont gagné le français dans le Parlement. Le peuple a comme exclu la course. En tout cas, Yangwana, Zaka, je suis d'accord. Na ba émission pour ça, na Lingala. Même si Biso ba tout outil, na Biso Moussika. Na ça déjà au moins 8 ans. Bon, moi, Lingala, au Mouké, Mouké, na Zoye, na ba quartier, il faut qu'on s'adapte, qu'on commence à parler. Quand on est ici, on parle à Lingala. Et moi, quand je suis à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Bounia, je parle, je fais toujours mes meetings, mes émissions à Kiswahili. Très bien. C'est ma Swahili, c'est ma Lingala, Kidogodogo, mais Ekolekakaka. Je vais d'abord vous lire les titres ou bien l'information du jour avant de reprendre la parole, hein, de reprendre l'échange pardon, avec l'honorable Nzangi Mouindo. Alors, je vais vous donner les informations. RDC, s'il vous plaît. Issaïdé, préoccupé par les allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par des humanitaires dans l'Est. Je suis content pour ce dossier parce que j'en avais parlé. Sommet de Goma, les quatre chefs d'État condamnent l'activisme des forces négatives dans le sous-région. RDC toujours, la décision du cardinal Ambongo de faire partir les enseignants non fidèles catholiques des écoles catholiques viole les lois
de la République. On en parlera, je pense, dans la, peut-être la, demain ou le début de la semaine prochaine, on fera tout un débat sur ça. La Banque africaine de développement, BAD, autorise au titre d'un appui budgétaire une aide financière de 142 millions de dollars à la RDC, selon les ministres des Finances. RDC, la première dame, met à la disposition de la SNEL 3000 mètres de câbles pour électrifier plusieurs quartiers de Mwanda, Goma. Insécurité, le maire exhorte les criminels à une trêve pour reprendre leur activité après le séjour du chef de l'État dans la ville. Pour relever l'information en premier lieu, Boyokape Audio Wana, Oyoye Mukaza Koloba, et puis Honorable Aropé, sa point de vue naïe par rapport à l'Ikambaro. RDC, le gouvernement fait les derniers réglages du projet de budget 2021 avant sa présentation pour adoption au Conseil des ministres. Félix Tshisekedi, entendu ce jeudi à Sake. Félix Tshisekedi promet d'ordonner la suspension de l'installation de la commune rurale de Minembwe. Les députés, on va en parler aujourd'hui de ce spécial. Affaire Minembwe, Martin Fayulu face à la presse, c'est vendredi. Très bien. Alors, on va terminer. Vodacom Ligue 1, DSMP s'incline devant Maniema Union, 0-1. Et Renaissance bat JSK, 3-2. Ça, c'est très bien. Alors, honorable, Oyoki Yomoko Likamo en sécurité, Yozali Moponami à Goma. Mais avant de répondre à la question, j'aurais voulu t'exposer échange Oyo, maire Yagoma, Azali Gosala, Batouba Yoka Yango, le Kola Yopo Zali Moponomiawa, et Zapena na casquette no yondo lobila yango. Précieux Mouyoko, on va d'abord prendre ma déclaration ya maire Yagoma. Bino Moko Boyoka, n'a pas habité Mbokoyo, n'a habité Tozana ba coopérant ou bien Tozana ba politique, je ne sais pas. Maire Yagoma, coopérant, bandit, toi zanani parce que nazo ebaté na ko situé na place nini TV za radio té bien kazolo bana swahili mais bolanda yango ndeko azali honorable a ko limbo lango na swahili mobimba nango et après ça to kota siko na point de vue na avant to entamer spécial dossier Minembwe comme commune à tout à l'heure kama wana tabia ile za kupiga masasi wa kupiga kunyangua watu kwa wabeba wangeliweza kwanza kuturumia mkubwa wetu wa nchi apate kwanza kuzungumzia watu na apanye, afanye kazi yake ambayo iliweza kumuleta huku na hata mpaka atakwisha kwenda ndio sisi watu wangeliweza kuona tena kama tu, wataweza kufanya kazi yao ya kijambazi ambayo wanazoea kila siku wangeliweza kuendelea baadaye kama wana tabia ile za kupiga masasi wa kupiga kunyangua watu kwa wabeba wangeliweza kwanza kuturumia mkubwa wetu wa nchi apate kwanza kuzungumzia watu na apanye, afanye kazi yake ambayo iliweza kumuleta huku na hata mpaka atakwisha kwenda ndio sisi watu wangeliweza kuona tena kama tu, wataweza kufanya kazi yao ya kijambazi ambayo wanazoea kila siku wangeliweza kuendelea baadaye kama wana tabia ile za kupiga masasi wa kupiga Très bien honorable vous avez la parole maire de la ville Azolo Baboué ba criminel ba bazo beta masasi na ba quartier ya Goma ba bazo kidnapper ba dans la ville ya Goma vraiment ba yo créé moi mawamuke tango président de la république azana Goma ba tia ko sala biloko wana ba ko continuer après le départ du président de la république aïe aïe lecture na yo non mais le maire de la ville de Goma za mutu moko fatigué depuis trop longtemps tout singa ka ba remplacer na mutu yo quand même il peut faire quelque chose mais aussi et si dans aéwa na ezo rappeler batu puisque bolobela kango mingi awate na Kinshasa les sécurité c'est partout c'est pas seulement à Beni Beni nde eza sécurité à très grande échelle puisque au massacre les gens dans des villages mais na Goma chaque jour c'est ça le rythme de chaque jour donc chaque soir massa ezo beta na ba quartier hein et puis on va mettre tout tel part, on va mettre tel part, on va kidnapper toute une famille, bah 5000 dollars, 500 dollars, bah tiki batouana. C'est chaque jour. Maintenant, depuis que le président est arrivé, le rythme a continué. Et là, il était à Mugunga, où il y a eu un incident. Les bandits sont venus du parc de Virunga, ils sont entrés à Goma, ils ont tiré, ils ont tué une femme, ils ont pris son mari, et ils ont pris quelques membres de la famille, ils les ont kidnappés, et ils ont pillé pratiquement... tous les coins. Tous les coins. Maintenant, le maire, il est arrivé là-bas
dans son adresse à la population, il a dit vraiment, je m'adresse aux bandits, je vous demande d'essayer d'arrêter un peu. Vous ne respectez même pas le président, vraiment, laissez le président partir. Et puis après, vous allez reprendre ce que vous faites tous les jours. Ça dit, il y a bandi. Il y a bandi. C'est la présidente Bima. Mais c'est regrettable. Vous, en tant que député, vous comprenez ici qu'il y a l'inefficacité tactique du contrôle de l'État. Quasi l'existence. L'inexistence, il y a l'État et mon ami. L'État n'existe pas. En dehors de ça, c'est l'incompétence au niveau local. C'est pour cela que moi, j'ai fait une proposition de loi qui est en train d'être examinée au niveau des services d'Assemblée pour faire avancer les dossiers sur l'élection des autorités locales. Ces histoires de nomination des maires, des bourgmestres et de quoi, ça nous crée des problèmes. On amène des gens qui n'ont aucune philosophie. Il y a Nenge Makambo, il faut étambouler dans ma ville, dans ma village. C'est la même chose ici dans ma commune. Bourgmestre à commune, à Yébité, commune à Zakandeni, il y a un bon mariage, il y a un bon c'est fini pour lui. Le reste, la redevabilité est athée, puisqu'ils ne sont pas élus. J'ai proposé que, puisque le problème, il y a l'élection à l'autorité locale, ils sont pléthoriques. Donc, ma conseiller, 15 conseillers par commune, 15 conseillers par mairie, 15 conseillers ceci, c'est beaucoup à l'échelle nationale et on a peur de voir comment ils vont être payés. J'ai proposé qu'on revienne à l'ancienne formule. Et qu'on supprime pratiquement les conseils locaux élus et qu'on les remplace par des autorités qui vont être élues directement par la population. Ça veut dire quoi? Donc, les maires de ville, les bourgmestres des communes ou les chefs de secteur, ils sont directement élus par la population et ils n'ont plus besoin d'avoir des conseils. Il y a toute une proposition de loi, je crois que le jour où on va débattre à l'Assemblée nationale... Très bien, oui, vous pensez à la population. Mais, Nazar Hossein, à la population, à la vigilance, et puis, monsieur le gouverneur, Nazar Hossein, interpellé, maintenant, il est premier ministre, ministre intérieur, Nazar Hossein, interpellé, puis, Bangon Yonsoan, bah, député, Oyokin de Kwaouti Golobao, et Zali Soni, Oyoka, autorité, Zali Sansia, qui bat la Batouna Bilo, ou la Bango, Azo Senga, Babandi, pardon, Bopé, maman, mouke. Ça dit, si vous avez une vie, vous avez une vie. Vous continuez à boma, vous continuez à iba, vous continuez à faire la désordre, mais ce qui est une vie. Et la plupart des politiques, c'est comme ça et ça, la maca. Ce qui est une vie, na mwanda quelque part une fois. Ce qui est une vie, c'est une vie. Moi, si je suis une vie, je suis une vie. Je suis une prince. Mwanda est une prince, je suis une vie un kilomètre. Mais je suis une vie, je suis rouge, je placé en haut bien. Pour moi, c'est un vie, je suis une vie. Ceux qui accueillent vie et normal, on s'occupe plus de cette population-là. Alors, mascara, l'oiseau salama, du jour au lendemain, on vit au-dessus de tout le monde, ce n'est pas quelque chose de très bien. Moi, je vais développer mon hôtel. Minembwe, comme commune, tout le monde a une question. Baton Soussou va éviter, c'est quoi une commune? D'abord, on explique l'opinion sur Bazolanda Bisso, c'est quoi une commune? Et puis, quelles sont les conditions pour que parti à République Moko et comme une commune? Procédure à Kandegenin. Natsike Lyongonga, il faut expliquer ma cambo. Merci beaucoup. Et heureusement que vous avez posé cette question-là. C'est le début du commencement. Voilà. En fait, commune est à Mibale. Commune de la ville, commune urbaine, la commune rurale. La commune rurale est à Ozoa qui est à Kalabacité. Donc, ils ont beaucoup d'agglomérations, mais ils ont ville. Voilà la commune rurale. Commune urbaine, ça n'est pas commune, comme la subdivision, il y a Katia, il y a une loi sur le fonctionnement et l'organisation des entités territoriales décentralisées. Dans l'article 46, il est dit qu'au terme de cette loi, tout chef lieu de territoire est une commune. Deuxième alinéa, toute agglomération de plus de 20 000 habitants. Est-ce que vous me comprenez? Agglomération. Donc, Batobazo Vandaka et Sika Moko. Mais Baza, plus de 20 000. Auquel un décret du Premier ministre a conféré le statut de commune est une commune. Donc, agglomération, nous sommes à plus de 20 000 personnes.
Tous les gars, ils ont eu un décret qui fait de ça une commune. Le chef lié à chefferie, yango est la éligibilité. Et quoi qu'on comme communauté. Communauté. Ça c'est la loi que nous avons eue. La linéa qui suit donne la procédure. Ndengenini entité wana et comme commune. Très bien. C'est le ministre de l'Intérieur qui propose à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale donne son avis conforme et puis après le premier ministre prend un décret. Donc cheminement est aboué. Ministre de l'Intérieur a proposé cité. Alors lui par exemple cité à Sake a constaté que 20 000 personnes bazakuna a saisi l'Assemblée provinciale. Assemblée provinciale les a une obligation ya kokende kota la soki agglomération wana ezo remplir ba condition ya loi. Ba ke ko vérifier. Ba ke ko vérifier. La contre vérification par rapport à au proposition ministre ça. Oui. Ce qui m'a dit que l'entité est en conformité, tenabare la mani, ba pesi avis de non-conformité. Donc là, la commune ne peut pas être créée. Très bien. Mais ce qui m'a dit vraiment, agglomération, ils ont rempli ma condition. À ce moment-là, ils transmettent le dossier au ministre qui propose au premier ministre un décret qui crée une entité comme une commune. Il y a encore la procédure, ils ont l'article 46 de la loi, ils ont clair. La loi dit avis conforme. Ça veut dire ceci. Même si ministre ou bien premier ministre a une proposition qu'un village n'a pas à la commune, ce qui a un avis conforme à l'Assemblée provinciale, il ne peut pas créer une commune. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Minembwe? Alors maintenant, c'est ça la question. Ça la comment question. Vous avez jugé l'installation de la commune de Minembwe par Azarias Rubero? Bon, laissons d'abord Azarias à côté. On va voir là où il est intervenu. Très bien. Puisque tout commence avant. C'était en 2009. Avant Rubero. En 2008, après le vote de la loi, le ministre de l'Intérieur à cette époque, je crois que c'était Denis Kaloumé, il a envoyé à toutes les provinces les propositions des communes. Moi, à cette époque-là, déjà, j'étais déjà député provincial. Très bien. Nous sommes allés voir si toutes les communes proposées remplissez les conditions. Nassid Kivu Bakenda qui kota la bilokwana a proposé qui peut Minembwe. Bango batindi commission na Minembwe, bako constaté que village exacté à Minembwe, il n'y a pas une grande agglomération qui a 20 000 personnes. Si vous voyez toutes les images de Minembwe, vous allez voir que c'est des fermes, et ça va ferme, ba fermier bazala ka batu moko. Basala ka habitat regroupé te. Très bien. Mutura mutu avant na kaka et sika bangombe na ezali. Bazali. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont trouvé que Minembwe ne remplissait pas les critères pour être érigé à commune. Yango wana basali avis na bango conforme. Et j'ai les documents. Et je voudrais que vous puissiez Les lire, jeter un coup d'œil. Autorisé vous allez à voir, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Très bien. Mais vous allez lire les titres. Très bien. Vous allez voir qu'à territoire de Fizi, puisque Minembwe est à Fizi, vous allez voir les communes qui avaient été retenues à territoire de Fizi. Le document est là. Ya, 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 ya. Dieu ne manque jamais de témoins. Batubazalaga bazali. Dieu ne manque jamais de témoins. Caché, 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 il en restera quelque chose. Premier document yango na zakotang. Ezali République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, Assemblée provinciale, bureau permanent, Bukavu. Recommandation numéro 09-2000. Plénière à Sopro SK du 7-10-2009, portant avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu sur les agglomérations à ériger en ville et en commune dans la province du Sud Kivu. L'Assemblée provinciale du Sud qui vous réunit en plénière 7-10-2009 sous la présidence l'honorable Émile Baleke Kadoudou,
président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, a examiné les propositions du gouvernement provincial du Sud-Kivu, lui transmises par la lettre numéro CAB MIN IGER ASPRO 222-2009 du 18-9-2009, traitant de la cartographie des agglomérations à ériger en villes et communes en province du Sud-Kivu. Conformément aux dispositions de l'article 6 et 46 de la loi numéro 08-016 du 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Allez à l'essentiel. Très bien. La dernière ligne. L'Assemblée provinciale donne avis favorable à l'érection en ville et commune des agglomérations ci-après. Voilà. Donc, Baobandimi. Baobandimi. Si m'enquête ouana. Si m'enquête. Yoka Baobandimi. Bandimi, ville en territoire d'Uvira. Ville d'Uvira avec trois communes urbaines. Kalundu, Mulongwe, Kiliba. En territoire de Fizi. Osambwe, papa, Osambwe. Ville de Baraka, trois communes urbaines. Commune Yakalunja, Baraka na Katanga. En territoire de Mwenga, ville de Kamituga avec deux communes urbaines, Baligi Bousse. En territoire de Chabunda, quatre et trois communes, ville de Chabunda, trois communes urbaines, Lupimbi, Kizikibi, Nyaloubwe, commune. Dans les territoires d'Uvira. Les communes là, ce sont les communes rurales. Les belles communes. Il y a des villes, n'a pas commune. Très bien. Les communes rurales maintenant. Communes rurales. Dans les territoires d'Uvira. Communes de Sangue, communes de Nyamugali, Luberizi, communes de Luvungi. Dans les territoires de Fizi. Fizi, yango wana. Communes de Suima, communes de Fizi. Commune de Lulimba Missis. Voilà. Essili. Namoni Minembwe. Minembwe n'est pas là. Maintenant, voilà la première tricherie. Malgré le fait que la province du Sud-Kivu n'a pas donné un avis favorable, un groupe de gens sont venus ici à Kinshasa négocier avec le premier ministre Matata. À l'époque. Et en 2013, le premier ministre Matata signe les décrets qui créent les communes à province du Sud-Kivu et il fait référence à l'avis que vous venez de lire. Je vous donne un peu les documents. Est-ce que Matata, tu es conscient de ce que tu avais fait? Matata Mpogne. Bon? Yango, on a un yango, yango. Ebandiawa. Voilà. Très bien. Décret numéro 13-029 du 13 juin 2013 conférant les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu. Les premiers ministres, vu la constitution... Alors, allez à la fin. Très bien. Vu, Zali. Les derniers vus. Vu la vie conforme. C'est sur l'autre page. Ok. Non, ça y est ici. Vu la vie conforme, allez-y. Non. Vous avez commencé à lire. Vu la vie conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, oui. Du 7 octobre 2009, se rapportant à la proposition du gouverneur de la province du Sud-Kivu, du Sud-Kivu, du Vuira, de Kamituga, Chabunda, de Baraka en ville. Contenu dans la décision numéro 9-2000, plénière, ASOP, tout ça, 7 octobre 2009. Vu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, se rapportant à la proposition du gouverneur de la province du Sud-Kivu du 9 juin 2009, relative à l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu en commune contenu dans la décision numéro 09-2000. Place, voilà, la ligne au comparé. Au avis, au Tanga. Numéro Nango, na numéro Omoni na décret. Ah, très bien. Le numéro ici et le numéro de l'avis que vous avez lu. Naba vie Oyasuga. Non. L'avis, le premier document que vous avez lu. Ah, c'est que j'avais lu ici. Le numéro de l'avis là-bas et le numéro de l'avis, les numéros dont il fait référence, le premier ministre. Yango, les a la tête, toi. Les a awa. Si vous avez peu, il faut comparer na Oyo. Ne place plus chérie à l'Ibosu. Voilà. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de document où place avez un peu de temps, vous avez un assemblée provinciale. Vous avez un numéro et avis. Numéro et avis. C'est la première ligne.
le titre. Là, non. Recommandation numéro 09. Bar 2000. Yangoana. Avis numéro. Na deuxième document, oui. Na deuxième document. Avis numéro. Vu l'avis conforme à l'Assemblée provinciale, Sud Kivu, c'est ça? Oui. Se rapportant à la proposition du gouverneur, la province Sud Kivu 9 juin 2009 relative à l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud Kivu en commune, contenue dans la décision numéro 09/2000/200. Est-ce que c'est la même? Bar 200. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, va au contenu. Quelles sont les communes qui sont créées? Tangaba commune. Par rapport si à la décret. Ezali 09/200. AAP 09/200. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tanga contenu. Contenu Sugo Ezali. Considérant la nécessité, sur proposition du ministre de l'Intérieur, Sécurité des Intentions, Affaires Coutumiers, les conseils des ministres entendus, décrets, tout ça, tout ça. C'est quoi qu'il y a dans commune, Kuna? Au tanga numéro 10. L'avis numéro 10. Bah commune. Agglomération de Minemboui. Voilà. Mais qu'est-ce que ça, Nignan? Ezali Gide? C'est pas dans la vie. Dans Oyonion Soto Tangi Awa Minemboazate. Exactement. A quelque chose glissé dans le décret. Pour na Oyonion Soto Tangi Awa, le gola na Fizi, Bachaki, Swima, Fizi, na Lulimba, Misisi. Vous avez trouvé ça là-bas, ils ont tout repris, mais ils ont ajouté. Ils ont ajouté Minemboué. Alors que Minembo au départ, il n'y en avait pas. Il n'est pas dans la vie. C'est ça la première triche. Ça, c'est Matata. C'est Matata qui a mis qui ça dedans. Qui triche. Qui a mis ça dedans. Voilà. Donc, Minemboué a été glissé dans le décret par tricherie et n'ayant pas l'avis favorable de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Minembwe c'est une commune frauduleuse qui n'a pas rempli les critères, qui ne remplit pas les critères, qui n'a pas reçu l'avis, mais qui se retrouve favorable dans un décret. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens ont constaté que Minembwe était dans les décrets. Ok. Voilà. Tant que tu vas constater que Minembwe va cotisiango na décret. Alors qu'au départ, ils allaient quitter. Alors qu'au départ, ils allaient quitter. Bitoume bandi na Sud Kivu. Population est réclamée. Les notables ont réclamé. Yango en a en 2015. Bah, ce soir. Le gouvernement, par le conseil des ministres, a fait la surséance le 22 octobre 2015. Donc, total, donc, ça fait deux ans, de 2013 à 2015. 2015. Ça n'a même pas fonctionné, ces communes ici. En 2015, on a fait la surséance et on a demandé que ces décrets soient d'abord corrigés avant d'entrer en application. Ça dit, bah, zongi, ça va, on a position initiale. Position initiale. Balongo la minembwe, pour les alakites. Yango, on a atta commune, mon côté, zalaki installé. Donc, très bien. Tous les restes sont restés en état, puisque les décrets avaient des fautes graves. Très bien. Et qui devaient être corrigés. Très bien. Voilà la situation voilà 2015. Très bien. Après, Roubert Wakoti, le gouvernement à Badibang. Ministre de la décentralisation. Ministre de la décentralisation. Gouvernement Yatibal. Ministre de la décentralisation. 2008, a bandi manœuvre pour installer la commune Yaminembo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé avec le ministre Arimova un document qu'ils appellent arrêté interministériel. Arimova à l'époque, Azagi, ministre intérieur. Ministre intérieur. Roubaix ou à décentralisation. Je voudrais que vous puissiez lire le titre de ce document ici. Ça, c'est Roubaix. Lisez le titre et ceux qui l'ont signé. Arrêté interministériel. Numéro 25. Cabinet vice-premier ministre. Oui, vice-premier ministre. RSEC / HMS 01/2018. Numéro cabinet ministre. Donc, mine.dr ARFK 007/2018. Du 2018 portant mise en œuvre des propositions du décret numéro 18-020 du 30 mai 2018 portant levée de la surséance. Je comprends. Arrêtez-vous là-bas. Je comprends. Cet arrêté interministériel
fait référence à un décret signé quel jour? Signé le 30 mai 2018. Donc comprenez un peu. Donc Bruno Tshibala, qui était premier ministre à cette époque, aurait signé un décret. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas retrouvé. Je suis allé à la primature pour le chercher. Je n'ai pas retrouvé les traces de ce décret. Peut-être que je vais le trouver. Mais cet arrêté fait référence à ce décret, mais il y a quelque chose qui cloche. L'arrêté dit que le décret-là est signé quelle date? Le 30 mai 2018. Et ça, c'était un arrêté de mise en œuvre. Mais regarde la page de signature. La page de signature fait à Kinshasa le 30 mai 2010. 2018, pardon. Le 30 mai 2018. Par Azarias Roubaix-Rouamaniwa, ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, professeur Henri Movasakani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le même jour, donc, le même jour, le premier ministre aurait signé un décret. Et c'est le même jour, le 30 mai, que les deux ministres, pas un seul ministre, les deux ministres ont fait toute la procédure pour signer un arrêté de mise en œuvre. Une procédure en urgence. Même l'urgence dans ce pays, je n'ai jamais vu ça. Vous savez, un arrêté interministériel, ce n'est pas un arrêté des ministres. Ça fait des navettes entre plusieurs cabinets. Très bien. Pour qu'ils se mettent d'accord sur le contenu. Mais maintenant, on vous dit que les décrets sortis le même jour, et le même jour-là, ils ont signé un arrêté interministériel de mise en œuvre. Jusque-là, trois personnes participent dans le coup. Jusque-là, trois personnes. Mata Tampogno, en 2013, voilà. Il participe parce que c'était la première faute. Voilà. On a vu que Matata a participé dans le coup. Deuxièmement, c'est maintenant Tshibala, oui, qui signe. Roubaix-Roi entre dedans. Movasakani entre dedans. Voilà. Ce qui fait quatre personnes. Alors, le contenu de cet arrêté interministériel, c'était de dire, lisez le premier article. Le premier article. Toujours, premier article. Les villes et communes ayant fait l'objet de la levée de la mesure des surséances de l'exécution des dispositions du décret numéro 18020 du 30 mai 2018 seront installées progressivement. Voilà. Donc, et ils ont sélectionné les villes, selon eux, mais la sélection n'a tourné que sur Minembwe. Voici le document qui suit. Henri Movasakani, Azarias Rubero, Bruno Tshibala, Mata Tampogno, les quatre premiers suspects dans le dossier. Je vais directement à l'arrêté. Oui. Sont désignés et affectés pour exercer à titre intérimaire dans la commune de Minembwe, province du Sud Kivu. Mais Minembwe, c'est comme une commune. Au départ, il n'y en avait pas sur la liste. Province du Sud Kivu. Les fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Bourgmestre M. Mukiza Nzaminesha Gadi. Bourgmestre adjoint M. Esumbiko Sadiki Charles. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Les secrétaires, article 3, les secrétaires généraux à l'intérieur, ainsi que les gouverneurs de la province du Sud qui vous sont chargés, chacun à ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 20 novembre 2018, professeur Henri Movasakani. Le 28 novembre. Le 28 novembre, pardon. Zenana Bongisangopo, Amonio Egosamouanani. Très bien. Et le 28 novembre, c'est 7 jours après le début de la campagne présidentielle. Mwindo. Tambore suspecto. Pendant que nous on était à campagne, et ils étaient en train de faire des manigas pour créer la commune de Minembwe. Ok, là, il y a eu suspension en 2015. Il y a eu une suspension en 2015. 2015. Par un conseil des ministres. Un conseil des ministres. Ils ont levé la suspension. Il n'y a pas eu de conseil des ministres. Ils disent que c'est Tshibala qui a levé la suspension. Seulement pour certaines agglomérations de Minembwe. Les décrets signés le même jour. Les décrets signés le même jour. L'arrêté interministériel le même jour. Et puis pendant la campagne, il désigne. Mais est-ce qu'un ministre de l'Intérieur a compétence pour désigner un bourgmestre des communes? C'est là que l'article 126
de la loi que nous avons citée intervient. L'article dit ceci. En attendant l'élection des bourgmestres des communes, ils sont désignés conformément à la loi de 98. Et cette loi, à son article 105, dit que peut désigner un bourgmestre ou un maire le président de la République. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui désigne un bourgmestre d'une commune. C'est le président de la République. Ça dit même, c'est que Gentil Ngobila, ça, c'est la violation de la loi. La violation, même ce que Gentil fait là. C'est la violation de la loi. J'ai demandé à la régie de me mettre cet article-là, puisque je les ai mis pour que les gens ne disent pas que non. Et honorable. Tiens, article est précieux. Bimis article. Bimis article. Pour que les gens ne disent pas que l'honorable est allé faire les choses. Donc, on a boutiqué cette affaire dans un assemblage de fraude. D'abord, la commune n'existait pas. Et puis après, voilà, le bourgmestre est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre des Affaires Intérieures. Le bourgmestre est assisté des bourgmestres adjoints nommés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 6. C'est-à-dire, ce que le ministre intérieur a sali proposition na président de la République, Ndemo Kondia Mboka. Zongi sa article, na zotanga ngona lingala papa, moi c'est un doux, il faut comprendre. Bongi sa article. Et le goloba bourgmestre, moto akotia ye na isika wana, ezali mokonzi ya mboka, kola na moso, na molongo ya dekro ya zo signé. Alors, moto akoya kopesa ba proposition, pa ya mokonzi ya mboka, ezali ministre intérieur. Tolo ba na kalo kwa lelo boye, Gilbert Kankonde, nde akopesa proposition pa ya président, ya kombo ya ba bourgmestre, ya zo mona bakoko sa mosala. Nde mokonzi ya mboka na pouvoir discrétionnel na ye, yende akotia yango na molongo ya dekret. Soka pesa yango ndeleki. Donc, Gentil aujourd'hui, azako yiba, contre vraiment violer la constitution. Mais à l'époque aussi, on rappelle ici que Ndeko Mova Sakani a violé qui Bangone Sora Ruberoa, Bangone Sora Bruno Chibala, Bangone Sora Matata Mpunyo, Bazaki na kata complicité et locaux, selon Badir Nayo. Donc, c'est ça à résumer, c'est ça les contours flous. Maintenant, on arrive à l'exécution. Très bien. C'est le vice-gouverneur du Sud Kivu, le 20 février 2019, qui a notifié ces gens-là, les bourgmestres-là, mais l'installation a posé des problèmes. Vous savez ce qui se passe là-bas. Comme c'était dans le flou, là, maintenant, il fallait que ça sorte. Pour la Kobimisango, c'est impossible, parce que la population est contre. Et je voudrais ici paraphraser ce que le chef de l'État a dit hier aux députés à Goma. Très bien, on va revenir. Non, puisque là, je suis à la phase d'installation. Mais yangwana siko tozuma. So, biloko komi obela. Kosi li saposa goliate. Biloko ezali. Oza na ngonga, kobanga te ngonga zanan. Na tike liyo 30 minutes zanan. Yako loba. Nakatote? Nakatote. Yo zande kona ngayi. Mui nonzangi, na yibagite koza maele boye. Na yibagite koza na minduki. Yo bambodi, na yibagite. Alors, Mouze Laurent Désiré Kabila. On dit que monsieur Zelot a condamné bateau, Moutalobi, tout ça, Moutalobi. Mais à l'époque, ma campagne occupation rwandaise, Oyo, Mouze Salobaki. Batou ni Mouze, proposition Zani ni Mouze Salobaki. Léon a eu qui a Mouzi, tu as eu ma campagne, bête à guerre, bateau, bateau, bougeli Mouzi, tu mets. Mouze, ça explique que ma campagne est une fois ça là, pour la moto, quoi, Rwanda. Bateau, monsieur Zelot, pour la mission. Mouze a eu le basico. Mouze. Vous avez eu le Mouze. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit monsieur de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit monsieur de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre
sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va... Honorable, tu partages l'avis aujourd'hui pour mettre fin à l'hémorragie de la guerre, l'insécurité aux alliés, Mouzé à l'époque proposé. Dans ce bois, il y a le Soudan, l'Abisso, l'Ongonia. Bato Bazo s'est sacrifié pour l'Abisso. Bato Bazo Salagnon, son Azo, on a passé au Bango Bazan, on a tabazan à Missolo Mingite, mais faut opérer Salongon et à la Bassouda. Pour la Moni, le Lingue Bassouda, Bazo s'est sacrifié pour la Moko, Naouti Beni, là qui passe dans Motema, Longon et à la Bassouda. Mais est-ce que pour mettre fin à cette hémorragie, Mouzé à l'époque proposait une guerre, utiliser n'importe quel objet aux Anango, ils ont la lance pierre, ils ont la Kinoki aux Anango pour mettre fin à cette hémorragie. Vous êtes David. Voilà, à l'Oba, on a le contexte. Dans un contexte, bien sûr. Dans un contexte. Contexte à l'Elo, à principe. Ça ne serait plus le contexte là. Très bien. Dans les dossiers à lesquels nous parlons. Il a parlé, c'était avant tout ce qui s'est passé. Il y a eu les accords de Lusaka. Très bien. Il y a eu les choses. En principe, je vais vous le dire, c'est là où je voudrais arriver. Très bien. L'initiative de cette commune Nenge Ozola Nangobo. Ezama Kamboa Ruberwa. Olobi Ezama Kamboa. Ezama Kamboa Ruberwa. Oui, Azarias. Azarias. Très bien. Et puis, bande konaye mingi bayamulenge baza d'accord na biloko azo sala oyote. Comment ça? La plupart d'entre eux bazo lo baboye. En tout cas, tobunda bitumba poto toza na ba congolais toza na bisu na ba province. Ba pesa biso nationalité. Tozo ba poste place nyos. Armée. Tozo ba poste na ba entreprise publique. Nous sommes partout. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Bande konaye mingebele baza disous d'accord na yete. Mais lui, je ne l'accuse pas. Il avait raconté aux gens dans sa langue, puisqu'il croit que les gens ne l'écoutent pas. Il a dit qu'il avait eu un songe, puisqu'il était pasteur. Et que dans ce songe, il s'était vu lui en train d'être roi d'un état qui ressemblait à un état qui s'y plombe le lac Tanganyika. Et lui est dans l'accomplissement de son rêve. Mais on sait pour qui il a toujours roulé. C'est pour cela que je reviens à l'histoire. Allez-y. Ok. Maître Azarias a été le président du RCD. Ça, c'est connu de tous. Le RCD, c'est la première expérience de balkanisation du pays. C'est vrai. Ah oui? Ce pays a été balkanisé pendant les RCD. Il y avait un président à Goma, il y avait un président à Beni, il y avait un président à Kisangani et un président à Badoulit. Vous le savez? Si, si. Et lui a été président d'une partie où ce n'était pas les Congolais qui étaient maîtres des jeux. C'était les Rwandais qui occupaient le lieu. Et à cette époque, il a créé les territoires de Minembwe. C'est-à-dire ceci, il a pris des terres appartenant au territoire d'Uvira, une partie des terres appartenant au territoire de Mwenga, une partie des terres appartenant au territoire de Fizi. Il les a délimitées et il a fait de ça un territoire qu'il a appelé le territoire de Minembwe. La réunification est arrivée et vous savez que les autres, il avait tenté de faire voter un décret pour qu'on reconnaisse ces territoires-là comme l'un des territoires de la province du Sud-Kivu. Les Congolais ont refusé. Parce que je dois vous rappeler que cette histoire de Minembwe a fait couler beaucoup de sang de Congolais. Bah, toi, vous vivez, hein? Beaucoup, 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 beaucoup. Les Congolais se sont battus et ils ont perdu leur sang dans cette affaire de Minembwe. Pour défendre. Pour défendre le pays. Mais, pendant la transition, lorsqu'on a dit qu'on ne pouvait pas accepter qu'ils prennent les terres des gens, les terres coutumières des gens, qu'ils les rattachent à un territoire qu'ils veulent octroyer à des personnes, il s'est retiré des institutions. Il est allé à Goma, il a dit, si vous n'acceptez pas que nous aussi on puisse disposer de ces terres-là, alors la transition s'arrête ici.
Il a quitté ici, il est parti à Goma. C'est grâce au CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition, qu'on lui a fait revenir ici en disant, monsieur, tu ne peux pas occuper les terres coutumières des gens et à faire les territoires et croire que les Congolais vont te laisser, vont t'applaudir, vont continuer à t'applaudir. Donc il en a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est comme ça que, malgré le fait qu'on avait interdit ces territoires-là, le territoire a continué à exister. Lui recevait les rapports en tant que vice-président du pays, il recevait les rapports de ce territoire-là seul, sans passer par les gouverneurs, sans passer par toute autre autorité. Jusqu'à 2007, où l'honorable James Moulegua va faire une interpellation au ministre de l'Intérieur, à l'époque de Caméré. C'est à cette époque-là que l'Assemblée nationale va donner la recommandation pour que l'administrateur des territoires de Minembwe, on puisse les démettre pour qu'on arrête cette histoire de territoire qui continue à fonctionner de fait. C'est seulement en 2007 que ce territoire-là a arrêté de fonctionner comme tel. Je voudrais vous rappeler aussi que jusqu'aujourd'hui, ce terrain-là, c'était terrain de jeu entre les puissances régionales. Comme vous le savez, le Rwanda et le Burundi sont à conflit armé. Lors de la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza, je suis habitué de citer son nom en anglais, les rebelles ou les poutistes ont été accueillis au Rwanda et le Rwanda les préparait pour qu'ils puissent attaquer les Burundi. Les Burundi aussi est allé appuyer les rebelles Kayumba Nyamwasa, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui est devenu un ennemi à Kagame. Il l'a appuyé et tous ont trouvé le terrain de prédilection dans les hauts plateaux de Minembwe. C'est ainsi que les Ngoumino, je sais que vous en avez entendu parler, ont été infiltrés par les troupes de Kayumba Nyamwasa, c'est connu de tous. Et que les Rwandais aussi a infiltré encore ces gens-là. Donc, les Banyamulenge, en quelque sorte, ils deviennent maintenant victimes croisées des conflits entre les Burundi et les Rwandais. Et toutes ces deux puissances se disputent le contrôle de ces territoires-là, avoir des groupes qui sont à leur guise, des troupes là-bas, pour se surveiller entre les deux. N'oubliez pas qu'avant la fin de l'année passée, le ministre de la Défense l'a dit lui-même qu'ils ont signalé la présence des troupes burundaises à Fizi, dans les hauts plateaux, les troupes burundaises. Et Kagame l'a dit dans une interview qu'il sait que les troupes burundaises se retrouvent là-bas, pendant que nous, on l'accusait que les troupes rwandaises aussi se retrouvaient là-bas. Donc, il y a un jeu du contrôle effectif de cette partie du territoire pour des intérêts géostratégiques, mais aussi pour l'accomplissement des plans qui a commencé depuis trop longtemps, les plans de balkanisation du pays. Dit, on ne doit pas l'oublier et l'ignorer. Et celui qui chapeaute, vous avez dit que c'est Rubero. Comment pouvez-vous accepter cette partie du territoire aujourd'hui n'est pas complètement sous le contrôle de notre armée? Vous le savez que le colonel Makanika a fait défection. Et nous, on sait d'où est-ce qu'il venait, puisque pour faire défection, il venait de Kinshasa, ici. Très bien. Il logeait dans des maisons des gens. Il y a des gens qui l'accompagnaient à l'état-major, puisqu'il prétendait que voilà, il se préparait pour aller au soin à l'extérieur. Les services de renseignement savaient qu'il était dans une organisation avec des pays étrangers pour faire défection et commencer une nouvelle rébellion. Ils ont refusé de lui accorder l'autorisation d'aller à l'extérieur pour les soins. Mais il a quitté Kinshasa comment? Qui l'ont aidé à quitter Kinshasa pour qu'il se retrouve dans les hauts plateaux et qu'il fasse défection avec un grand groupe de militaires. Il avait d'abord espionné. Un grand groupe de militaires et qui ont un contrôle effectif. J'ai parlé avec les gens qui étaient dans la délégation du ministre là-bas, ils ont dit, qui connaissent les lieux, ils ont dit, nous avons vu des gardes-corps de Makanika autour de l'endroit où ils sont allés faire leur cérémonie ici d'installation de la chose. Comment vous allez installer les premiers bourgmestres d'une commune rurale dans le pays? Vous allez l'installer dans une zone qui n'est pas sous contrôle de l'armée.
Ndeko Mwindo, cela nanu. Cela nanu biloko komo bimisa ko makasi. Komi makasi. Minembo ezali parti oyo l'état aza ko sécuriser te. Non. Aza na contrôle na ngote. Non. Mais curieusement, bazo installer komi na place où l'état aza na mabou côté. Ouais. Et vous avez la première expérience na mbok. Ma première expérience. Donc place wana ka ndé ba moni ki fo ba makamba ba bourgmestre bandaka wana. Bon. Yozali auteur et interpellation. Lelo bengisi Azarès Roubero pour nanine. Pour la désordre ya sali. Lui qui est allé installer le bourgmestre. C'est lui qui est allé installer le bourgmestre. Azarès Roubero a dit à Kendaki na bénédiction à chef de l'État. Chef de l'État n'a pas autorisé, selon aussi l'information de la présidence, qui n'a pas autorisé. Il n'avait pas envoyé Roubero à la balle. Mais qui dit mieux entre les deux? Sango. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. Beta, loko et oubimakaka. Koubombe loko te bimsa biloko nyosu aki nango. Ozonga pepele. Koube kozonga ne loko te bimsa nyosu. Regarde-moi en face. Tant qu'on a la sali interpellation, na kote si ango na assemblée. Na publie ango na ko. La première réaction de soutien Oyo Azarias Roubero Azouaki na microcosme politique na biso qui a vidé Timanga sur sa page Facebook. C'est vidé qui Timanga qui a soutenu Azarias Roubero. Qui a soutenu Azarias Roubero. Allez sur sa page, vous allez voir les commentaires des Congolais de tous les bords. Je suis intervenu ici sur une chaîne de télévision. Alors que Vidier Timanga est avec le président de la République. J'ai dit que Vidier Timanga en tant que conseiller stratégique du chef de l'État, lorsqu'il fait une sortie médiatique, ça veut dire que c'est ça l'opinion du chef. Est-ce que la page là, elle est authentique? Elle est authentique, c'est lui-même. Très bien. C'est lui-même. Mais après, nous allons constater après que il y avait des gens, la présidence, qui était d'accord avec ce que lui faisait, mais ce que le chef de l'État a dit hier à Goma démontre que, en tout cas, il n'avait pas la même information. Le chef n'avait pas la même information. Le chef de l'État a dit hier que le type est parti pour autre chose et il a utilisé un terme pour dire et il s'est joué de nous. Ça, c'est le chef de l'État. Il a profité pour aller installer la commune. Donc, on sous-entend qu'il avait, avancé une raison. Une autre raison. Une autre raison. Pour permettre qu'il y ait une autorisation à Rokende. Mais tant qu'il y a un agenda caché. C'est qu'il, dans son ordre de démission, il n'y avait pas Minembwe. Il est parti pour aller dans l'inauguration de lancement des projets d'habitation des routes à Goma et à Bukavu. Il n'y avait pas Minembwe. Il s'est. À Djembeli. C'est pour ça qu'on dit ça, non? Dans une mission d'autres personnes, du ministre de la Défense, qui lui était dans une caravane de paix. Mais comme dans la caravane des pays, il y avait son ami et son complice de tous les jours. C'est qui? Maître Moïse Nyarugabo. Dans la délégation de députés, il les formait certainement de ce qu'ils sont en train de faire. Ils en ont profité. Bah, Djembe, la mission, wana, bah, côté na bavio, il y a caravane de paix, Tina Minembo. Mais les autres qui étaient avec lui, Basaf. Honorable Daniel. Bazalaki Souboul. Il ne savait pas qu'il partait là-bas pour aller installer un bourgmestre. Tant que Bakotika Wana a préparé qui déjà au niveau de la population, tout de suite. Et les gens ont commencé à parler dans le public. Vous dites non, Tolingi pour installer un bourgmestre, les gens le locaque. Commune mine. Donc, tout était déjà préparé, des délégations. Et lui a pris par la ruse, je dis bien par la ruse, puisque l'ambassadeur des États-Unis a dit que voilà, moi on m'a pris pour une visite. En tout cas, je ne suis pas parti là-bas, je ne savais même pas qu'il y avait une cérémonie d'installation des bourgmestres.
Azuiba Tunaris. Ils sont arrivés là-bas et puis il les a mis devant un fait accompli. Il n'y a pas d'imprimante à Minembwe. Même les fiches là pour les PV là pour l'installation. C'était amené. C'était déjà amené. Lui de avait Kinshasa. Déjà préparé son coup. C'était prémédité. C'était prémédité. Si ce que vous dites là est vrai, que la chose a été préméditée, admettons que cela est vrai. Aujourd'hui, vous interpellez Roubaix à Royal Assemblée, connaissant que Azad d'abord une famille politique au bazar majoritaire. Comment vous comptez vous en sortir dans la démarche OE? Avant de répondre à la question de Alibosso, président. Oui, oui. Je voudrais profiter, puisque moi je suis un opposant, mais je suis aussi un nationaliste. Je vais vous dire que cette question ici, ce n'est pas une question de la Mouka, les dossiers à IDPST, Cash ou bien FCC. C'est la République. C'est la République, c'est des Congolais. Il y a un Zoyoka, Babitakura Bazoloba, Bajemsi Mulego Bazoloba, Honorable notre vieux Boulambo, Bazoloba. Namoni va pas choper dans Balobi. Baza Bato FCC, mais Batelemeni Makambora, puisqu'ils ont Makamba, ma belle papa. Ils ont Makamba Mok. Donc ce n'est pas une question. Question on a assemblée. Batiaka dossier, yomokokoyok. Bato Bakoloba et belle la dossier, ils ont la majorité, puisque tous les sites qui vous. Ma député Nyon sur un site qui vous a député à FCC Cash. Il n'y a que celle députée de l'opposition, Jacques-Claude Kibala. Quelle serait la sanction réservée à Roubaix-Roi au cas où Babylone. Yassolo. Les chefs de l'État, je dois profiter pour dire que ce qu'il a fait à Goma, c'est une bonne chose. Il était temps qu'il se prononce. Oyebi, dossier à Minembo, c'était un dossier très symbolique pour les gens qui se sont battus pour l'unité du pays. Bateau basala qui bitumba avec des flèches, avec des quoi, hein, pour garantir parmi eux des Banyamuleng. Parmi eux des Banyamuleng, il y a quelqu'un comme le général Massounzou. Azam Banyamuleng, non? Mais il a dit non au RCE. Il a dit non au Rwanda. Il a fait la guerre pendant 4 ans contre le RCD. Nao plateau, Azam Banyamuleng. Donc c'est pas seulement un combat pour bateau des côtés à Banyamuleng, oh Bazolo, comment déjà pas congolais dont le Kalsusu Nini Bango peut va créer un groupe pour la commune en Rwanda, pour la commune en groupe Azarias Bazolo Kanate. Bazolo Kanate entre Bango Banyamuleng. Bah audio est circulé, Bazolo bah audio est circulé. Bah lui Ozo Lukanini yo Ozo Lukanini. Pourquoi je le dis, puisque on sait que on a autre question. Tu oses réfléchir à haute voix. Tu oses réfléchir à haute voix, mais yo pe boza congolais. Naza pe mutu. Azarias Rubero azana poa nini na assemblée pour que azana ministre d'état. Azana député té. Azana député té. Azana ministre juste parce que il vend, c'est un marchand de la discrimination contre les Banyamuleng. Phrase wana nde o lobby yango na yoki yango lokona mpepe mais o bandela outi ko loba que pour na comprendre pour moni c'est ça gaya ko yibisa ngote pourquoi non mais je n'ai pas compris la phrase o lobby gazana ni si ko na lingala la un marchand et commerçant moteki coopérant oui zo ka ta terme ya coopérant to pesa coopérant na devisi o coopérant donc ye soki donc azo teka iloko wana ko loba que non Banyamuleng baza discriminé. Il faut pas la représenter. Yango on écoute ça qu'il y a dans le gouvernement. Azan député. Parti politique dans la RCD ici là. C'est quoi Azan ministre d'État, éternel ministre d'État à la décentralisation. Et puis ministère, on a curieux. Et puis il y a un parti politique, il y a FCC, il y a plus de 5 députés, il y a ministre d'État. Yango on a marchandise na ye. Mombongo na ye. Mombongo na ye. Et ça a un conflit entre les Congolais, les autochtones, na Banyamuleng. Il faut qu'un conflit on a itikala chaque fois que conflit on est kozalaka yepe azo marchandise ou ils ont coté ça na gouvernement. Très bien. Nazo zonga la question, on va souffler un peu, mais nazo zonga la question, mon copain aussi dit ça. Pour qu'on faire échec na Rubero, na Mova Sakani. Na Bruno Tshibala, na Matata Mponya à l'époque, bateau na tangi bazalaki na Roubaix-Roi mtazalelo. La démarche à suivre,
les actes d'interpellation y osali ou bien la population dans la démarche moi il faut ça là président de la République au-delà de la réunion ou le meeting ou les chances qu'il a eu de l'autre côté à Goma est-ce que Essengeli parle au balolenge mususu to azoba des gens mususu c'est la question vous allez répondre par rapport à ça vous allez répondre vous allez répondre ça va calmer dans la pêche voilà maintenant des logos au Goma place au Bimsande Mindouki Amwan réchaud à quatre plaques mais à gaz au Bimsande Wan soki toti ki guadolite ndenge zo kende lelo kamwe na sapu de ko salama bato bazako wela likambo ya ba chef coutumier e koti na guadolite banani bazana ba droit banani bazana ba droite na ko kende guadolite mikolo ezoya me na ibisi mino ke kamwe na sapu ya mibale ezako se préparer l'état esengela ta likambo na bukebi pour la ko éviter parce que gouverner c'est prévoir bo kananu moto moko azoluba tchaka lito yokana no mwasi moko azoluba yo tchaka lito yokana et puis tozonga honorable Zoma Maloba pour atetaka ya suka avant de terminer mbote sango ngai na zui parole na kombo ya groupe malité ya chef terri ya guadolite na nord bongi na eko ko signaler makambo zo linga ko se passer kuna mobulu ezo linga ko kota na gbado pona makambo oyo tali kutimi na biso Moutou Oyo Azali si place ba désigné na famille restant na kombo ya lite yangba. Depuis 2002, Azana ba document na ye ba papier na ye nyonso tout Oyo ba na lite. Ba famille restant nyonso tout ba signa ki ye ba désigné ki depuis 2002. Oyo Azo ko leka na Kisasa, mi pesi kombo sa majesté, Azo signé na kombo na biso na Kisasa, Azo leka na kombo na biso, Azali na ligné familiale na biso te. Azana droit ko koma chef coutumier te. Pa na biso to zali ba patriarcal. Yango na zo bela, chef de l'état, ayoka, avant e koma trop tard. Mobulu ezo ko linga ko bima na gbado. E komi ko ninga na makasi, tension ba zo tsala, e ba zo fife sous tension. Ba oyo ba zo respecte coutume, ba lingi te. Ba zo linga ba telema. Yango na zo bela, l'état yé bango erreur avant comme trop tard l'état tala makambo avant comme makila etanga nazo senga na l'état atala makambo vraiment ils ali sérieux aux zone ngako passer na gbadolite na tuna que les amis tuna ouais chef de l'état à Salanini to ko soura kan interpellation yo sali est-ce que population dans la démarche au lobaki a wande place aux zone misabilo konyoso c'est ça première chose chef de l'état na goba lobaki ke il a été trompé Elle a dit abusé par Romero. Donc, il y a un peu ça qui est mis sur terre pour que nous n'ayons pas pour que nous installions. Puis, il y a un peu ça qui est susceptible de créer un trouble entre ma communauté. Ce qu'il a fait, et le Kikutu Oyo, tout le monde a fait ça. Le chef de l'État a dit il a abusé de moi. La confiance, c'est mon la confiance. Ça veut dire que. Biloko asali ele kikuto tuna kase na sala yangona tozo senga a démissionné il doit démissionner il a abusé de la confiance du chef de l'état on ne peut avoir deux poids deux mesures Roubert Roy doit démissionner deuxième chose à ce qui nous concerne l'Assemblée nationale la quotidienne interpellation Tozana plénière na héros de Naibi. Je dois y aller. Naibi. Na 13h Ousmane. Naibi que dossier wana. Puisque l'interpellation d'akra ba étape. Étape ya libosé na kaka interne et assemblée. Ya ngwa toke nous sale. Deuxième étape et kozala étape ya interpellation yemoko ayé. S'il ne nous convainc pas en tout cas moi s'il ne me convainc pas. Je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire? Tokolongolaye, papa. Et je ne veux pas que ça n'arrive là-bas. Yemoko a démissionné. Oboyi ko humilié pour nous pousser dans l'angle. C'est pas bien. Aza mokolo. Aza chrétien, aza pe pasteur. Aza pasteur? Oui, aza pasteur. Na ebite yom tozo yibisanga. Mais biloko asali yo yo. Mon indenge fraude des anakati. Kobana tik, kobana création à Minembwe. Ti désignation ya banini. Et ça, c'est fraude. Troisième chose pour la population. Dans la population, c'est la mobilité. Bâti que la bise au Roubaix-Roi.
ne faut pas que cette question ici, puisque il y avait des préparations, des histoires ici, des sites qui ont été en train de se faire. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons abusé de ma confiance, ce qu'il a fait c'est inacceptable. Hein? C'est déjà la garantie que Biloko a eu dans la commune et sous Kiao. Donc Biloko a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Ce n'est pas une affaire de Banyamulenge Awa, c'est une affaire de Rouberoa. Pour toi, ça, les fraudes dans la commune, boutique la bise aux institutions, tu as réglé la question de Rouberoa. Très bien. Tombola na mabogo po tola pandai to sala résumé makambo lobi congolais azana buzoba ya monika kote banyamulenge ya basi nde batikala ya mibali nde bakende puis bato akomika na ba photo te biso to zio ba koma bayombe ba o baluba do bato bazo wela banyamulenge ya basi me ya mibali nde bayate na ibite congolais distraction eleki honorable Mwindo Nzangi ochi ko ibisanga ya wake tangu Rouberoa Asai biloko ba installation ya Minembwe moto ali bosso oya félicité yé Monsieur Vidier Chimanga conseiller stratégique à chef de l'État boyete ça boye oui bien yango bon oti ko bisanga ya ke na ba erreur otalisi ali bosso moto ali bosso abanaki berere na kati ya makamboyo ezalaki Monsieur Matata Mponyo ouais ne olobi nangai ouais pe oyebi singa si Matata Mponyo 2 ans après na conseil des ministres ba boyaki likambwana ouais ne bakataki yango Yemoko ka kamata ponyo muta boyaki yango hein na conseil des ministres na conseil des ministres yemoko a atiango a veyez et puis na 2018 Bruno Tshibala premier ministre Arimo Vasakani ministre intérieur Rouberoa na décentralisation ne ba coopérer na ndenge na bango selon yo ba pré installer clandestinement biloko wana alors que l'équipe na conseil des ministres mon côté voilà et puis curieusement ba créer décret le même jour et puis ordonnance est signée, et ça qui décret na décret le même jour na arrêté na arrêté interministériel puis le même jour voilà nous ebisingai et puis au lobby nanga que na des autres unions sont muta profiter na ngwezande Rouberoa oui ça dit Rouberoa azana ministre mon azana député à mon côté abimara ministre à chaque fois parce que conflit wana ndeza mon bongo na ye oui est-ce que l'oka obaxe ça exactement très bien na ngina yembela maître Régine Mpoyi Azali moko ya bosolo na politique lelo ezali anniversaire na ye ngala zala kite quand même na zongi bo etika na yembela ye ndenge to yembela ki apprécier ndenge to lobaki ya Félix Kalamba bazabana na ngai soki moko aza ko fêter anniversaire ngai tatali kambwane komi ya ngai Régine Mpoyi ye wana batonyo so bayaka na bosolo na politique soki okoti mama wana nde aza kwa mama na biso basi bazami sato me ye aza parmi ba mama na biso tozana mama Mariam tozana mama Ange ye pe azali lelo nde anniversaire na ye Maître Régine Mpoyi nazo yembela yo sango mokonzi ndaza ko yembela yo Joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Régine Mpoyi Mbotama elamu Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Régine Poy, Motama, et. Yom dosi lisad. Et l'amour. Oh, tu vois bien. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc. Quelle année et qu'il y a qui au capel là-haut bien blanc 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 plus blanc, blanc que neige blanc plus blanc que neige lave dans le sang de l'agneau je serai plus blanc quelle année. La ligne n'a pas de quoi minembwe. Bande quoi minembwe. Oui, ça verbe, na sale libino. Cicatrice, ils ont un rapport à mingi mingi, on débacate la locolo. Ce qui minembwe, ils ont dérangé, ils sont mingi. Il faut solution moro définitive. Boite. Et s'il y a. Kendaki au Capernaum.
Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Sali la misolo na yo na tango nyo solingi. Na Sara Banking, ezande bank na chumbo na yo. Sindambongo na yo na bokenge de nyo so ata ufandi nandako. Consulte solde na yo, lande la ba crédit na yo, salaba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyo so. Elongo na Sara Mani, biso nyo so to koti masolo ya bank na chumbo na pete nyo so. Afriland First Bank, a komisele biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, sale lambongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Mani, okoki ko tinda pe gozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store, pe kimi mbango na agence Afriland o ezwami pene pene sika ofandi po ba active le yo Sara. Sara, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipay Binso. Afriland First Bank. L'UBC. L'Université belgo-congolaise ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise quatre grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté des droits, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique, un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà. Rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavubo. Téléphone +243 81 60 00 634. L'UBC. Sciences et culture de l'excellence. C'est lui qui va faire encore ça. Il sera puni. Je suis puni. Attention, tout est bon à la crème au sous. Tout ça, c'est la crème économique et comélie. Et si la capamba pamba te, et salami na banamboka na qualité pétalo ya malam. Pour vos commandes, appelez au 084 31 24 947. Livraison à vos établissements. Crème et comélie. Crème à banamboka. Bon enseignement, Yamboka. Junki. Monsieur Mamadou Siribe. Où est-ce que c'est, Nino? T'es venu d'abord récupérer mes contenus. Il y a une agence là, je sais pas. Agence, il y a douane. Agence de douane. Quelle agence? Louvounou Expo. Namata di bayo kakombo aluvunu wana balu kamoto na bakangaye. Kokende gauche à droite, c'est à grâce à Zika Moko. Awa je namata. C'est vrai. Avenue Major Vangu. Okay. Numéro 6. Bessing. Business. Agence Yadouane Yesoro. Kende na dresse tout na bana matadi nyoso tout ba yebiyango. Vangu numéro 6. Voilà. Merci beaucoup monsieur Jonker. Oiza agence Andouane Blessing Business. Tous avons pour na kosala dédouanement et import et export. Solution na yena yebisa ki ezali Blessing Business. Ah maintenant les solutions est venu. C'est quand tenir. Ici ala wala bila. Atika la wali bila. Ayebisa bande kunanga na bamako. Blessing Business des solutions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes à Canada, États-Unis, Europe, partout. Agence à dédouanement, yamoyo. Blessing Business. Vous êtes à poser pour dédouaner biloko. Yaka, vous avez à prendre pour aider. Rapidité, sincérité. Ce que vous avez livraison à domicile. Partout, place aux alliés. Vous êtes à Matadi, avenue Major Vang, numéro 6, commune Nzadi. Non loin, il y a Noguera. Numéro on a vu ces alliés, 089. 98-33-087. Blessing Business, agence à douane, bien sûr. Après 4 mois d'état d'urgence sanitaire, nos frontières sont de nouveau ouvertes. Quick Service vous offre un méga promo familial du 5 octobre au 5 novembre 2020. Le méga promo est disponible pour les pays ci-après. Les Canada, les États-Unis d'Amérique, Dubaï et les pays Schengen. Hâtez-vous car les places sont très limitées pour toutes vos démarches de visa pour le Japon,
Afrique du Sud et autres. Immobilier national et international. Service passeport. Vend des billets d'avion international le moins cher. Assurance voyage. Facilitation de l'obtention des documents de voyage. Bourse d'études. Contactez Quick Service au numéro 10 de l'avenue Wagenia, immeuble CTC Shopping Mall au local 31, Kinshasa, Gombe. Téléphone plus 243 82 0090 008 plus 243 84 40 90 666. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité.